Bonjour, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à un like. Eh bien, aujourd'hui, on va voir un thème, ce qui plaît aux femmes chez un homme, est bien très intéressant. Donc, on va voir la guidance des cartes, peut-être les conseils. On va voir également comment votre vie amoureuse évolue. Eh bien. Et alors, j'adore tout de suite parce que je regardais, j'ai vraiment l'énergie de monsieur, et bien, qu'est-ce qui plaît aux femmes chez un homme? Ben, peut-être votre personnalité, la passion, les sensations que vous pouvez apporter, vraiment cette motivation, détermination, un caractère fort, et vraiment peut-être les femmes, elles rêvent que vous arrivez comme ça, donc dans sa vie, et vous l'apportez, donc avec vous, et sa vie change, donc voilà, que vous donnez plein de sensations, et bien, tout de suite, on voit un très bon indice des cartes. Et vous savez aussi, la détermination. Vous savez, ne pas avoir peur de prendre une décision, peut-être un engagement. Donc, être honnête, peut-être dire aussi ouvertement des choses. Donc, voilà aussi un autre indice. Et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et alors, vous savez, c'est un petit peu la carte de tradition. Peut-être, vous savez, les femmes préfèrent d'un côté avoir ces sensations des énergies de feu. Peut-être la passion, le risque, mais en même temps, je pense qu'au fond, ils ont toujours cette tendance d'avoir la relation classique, traditionnelle, peut-être avoir cette base donc dans sa vie, peut-être quelqu'un sur qui il peut s'appuyer. Donc voilà, mais toujours cette orientation veut peut-être avoir la relation en couple, la création de la famille. Donc voilà ce que je vois ici. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et alors, vous savez également, montrer votre énergie, peut-être des changements que vous pouvez apporter dans la vie de la femme. Donc voilà, peut-être avoir des nouveautés. Et vous savez, c'est un petit peu la carte de voyage également, peut-être que apporter aussi ce sentiment de découverte, de nouvelles choses. Donc voilà, et bien qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et vous savez, j'ai un indice aussi que peut-être, donc là, j'ai un indice sur un homme qui fait attention aux détails. Et peut-être les femmes, ils apprécient que vous cherchez quelque chose d'unique dans son caractère. Donc voilà, peut-être aussi que vous êtes attentif donc à la femme, vous faites attention aux détails, à elle, à son caractère, donc à ses besoins. Donc voilà, et bien, et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et alors, vous savez, j'ai aussi un indice, éventuellement, sur les petits projets que vous pouvez avoir, mais toujours qui donnent cette stabilité. Peut-être les petites choses que vous pouvez faire ensemble. Donc, c'est possible, c'est aussi la carte de l'amitié. Eh bien, un indice aussi important que peut-être pas tout simplement la femme, les recherches, les sensations, dans la relation, mais aussi à l'amitié sur qui il peut compter. Peut-être parler de ses loisirs, également quelque chose qui l'intéresse. Donc, voilà, eh bien, sur quel qu'il peut compter, et bien sûr l'amour. Alors j'adore parce que, regardez, mais pour la femme, c'est très important de montrer ses sentiments, donc être une femme qu'on aime, donc voilà, et peut-être, donc ça c'est un accent sur les sentiments, les émotions, et que elle doit être amoureuse, donc dans sa vie, et peut-être se sentir sensible, donc voilà, peut-être même un petit peu fragile, donc se montrer femme, vraiment se réaliser comme femme, et bien c'est très très important avec un homme. Et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et regardez la carte du destin. Vous savez peut-être aussi que pour la femme, c'est très important de rencontrer peut-être l'homme de sa vie, son destin. Donc le savoir, c'est un petit peu la carte de chance. Également que peut-être avoir la chance de rencontrer un homme qui va lui apporter des sentiments, sensations. Cette relation, eh bien, c'est très très important. Donc avoir cette chance. Et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et alors j'adore parce que j'ai encore un accent donc sur madame. Et vous savez, il souhaite avoir le confort dans sa vie, la prospérité. Donc voilà, quand sa vie est confortable, il y a éventuellement les petits plaisirs qu'il peut se faire, donc se réaliser. Et ça, je pense qu'il attend aussi de la part de monsieur, que monsieur, vous pouvez lui donner cela. Donc, ces sentiments de confort. Et alors, j'adore parce que, alors ici, c'est plusieurs choses. Déjà, toujours un accent sur féminité. Peut-être la femme, avec un homme, il souhaite se montrer quelqu'un féminine. Donc, voilà. Et peut-être aussi, que vous réalisez ces désirs les plus profonds. Peut-être quelque chose qui est caché. Vous allez réveiller en elle des sentiments cachés. Donc, voilà, qu'est-ce qu'ils attendent, d'un homme. Vous devez le savoir. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir
d'autre. Il a la réalisation d'un rêve, bien sûr. Vous savez, je pense que c'est un accent sur que les femmes rêvent beaucoup dans sa vie. Peut-être ils ont leur idéal, donc un homme idéal qu'ils souhaitent avoir dans sa vie. Et voilà. Et vous savez, en général, avec un homme, il doit réaliser ses rêves. Quelque chose qui est important pour elle. Donc peut-être même surréaliser, être inspiré. Ça va lui donner des bons sentiments. Il surréalise comme femme dans sa profession. Vous savez, en général, ça peut être les rêves, c'est individuel pour chacun. Et donc, la carte me montre que, donc, avec un homme, elle souhaite réaliser ses rêves. Donc, voilà. Et regardez, alors, j'adore. Mais ici, j'ai l'énergie de monsieur. Donc, enfin, on voit quand même vraiment plus le caractère de monsieur. Eh bien, la femme, il souhaite avoir un homme qui va lui donner cette stabilité. Vous savez, quelqu'un vraiment qui a une bonne base, qui a déjà sa réussite par rapport à sa profession, son travail. Et c'est aussi un homme qui est orienté vers la création de la famille. Donc, voilà. Il a quand même des sensations qu'il recherche, mais toujours à la fin, je pense que c'est la création de la famille, la relation stable, quelqu'un qui va lui donner confiance dans sa vie. Donc voilà sur qui il peut compter. Donc c'est ça qu'il a besoin. Donc voilà. Et vous savez aussi que, enfin, avec l'arrivée de monsieur, la vie difficile se termine. Peut-être la solitude, donc les problèmes, peut-être monsieur, il va lui donner des solutions, la soutenir. Donc voilà que la vie change. Donc voilà. Et alors, le coup de foudre, alors j'adore, mais bien sûr, c'est toujours, ça tourne toujours autour de sentiments et la passion. Donc, nous avons vu cette carte, donc un homme qui arrive dans la vie de madame, il la perturbe. Donc, il y a quand même la carte du destin, le rêve qui se réalise. Et donc, voilà, qu'est-ce qui se passe avec madame, avec l'arrivée de monsieur, ben, la coup de foudre, mais ça la bouleverse complètement. Donc, voilà, il y a plein de changements tout de suite qui arrivent, donc, dans sa vie. Vous devez le savoir, et bien, c'est comme ça que les femmes, ils voient un homme, donc ils veulent avoir cela dans leur vie. Donc voilà. Eh bien, on va voir comment votre vie amoureuse change. Un petit peu les indices. Je vois que vous devez un petit peu vous battre, montrer vos désirs, vos envies, peut-être pour avancer dans le futur, réaliser ce que vous souhaitez. Et la carte de force, alors c'est la carte de la passion, peut-être vraiment ce qui vous attend dans le futur. Donc soit dans votre relation amoureuse, vous avez déjà donc quelqu'un et vous allez ressentir de la passion avec cette personne ou prochainement il y aura cette rencontre qui va vous apporter ces sensations donc c'est possible et c'est un petit peu la carte de aussi quelqu'un qui est charismatique qui a un charme qui peut vous apporter aussi ces sensations dans le futur peut-être une femme donc c'est possible et regardez j'ai la confirmation mais une femme qui va vous donner plein de projets dans le futur c'est déjà la carte de résultat que vous pouvez avoir donc dans votre relation et vous ne vous voulez pas vous arrêter à cela, il y a des perspectives qui s'ouvrent à vous, des projets que vous souhaitez réaliser, donc vous devez être prêt. Mais je pense qu'ici, ça vient beaucoup de madame. Donc voilà, et bien, et vous savez aussi, donc je pense que dans le futur, dans votre relation, il y aura inter-aide. Donc chacun va apporter quelque chose dans la relation, donc il y aura le soutien. Vous savez, c'est aussi un petit peu l'indice d'un cadeau. Peut-être, monsieur, est-ce que vous ne souhaitez pas faire un cadeau à madame? Donc c'est possible, je pense que ça serait vraiment très bien apprécié. Donc voilà aussi le côté financier que vous pouvez développer, vous devez le savoir. Eh bien, et alors je vois aussi que votre vie change prochainement et peut-être le passé donc se termine. Vous êtes orienté vers le futur, il y aura des perspectives d'évolution. Et attention vraiment dans votre couple, donc dans votre relation, vous êtes deux donc avoir ces changements et tout ce qui est négatif, donc peut-être quelque chose qui vous inquiète, vous le laissez dans le passé et vous êtes vraiment orienté. Avec les nouveautés dans le futur, donc votre avis change. Il y a alors le soleil. Vous voyez, j'ai un très bon indice pour la question comment votre avis change, mais le bonheur arrive. Donc voilà, et peut-être aussi, c'est un petit peu un indice que c'est la femme qui peut vous apporter cela. Vous devez être prêt. Vous avez le résultat, la réussite, des bons sentiments, le bonheur, peut-être aussi un petit peu cette relation qui vous donne cela. Vous devez le savoir, la carte des vacances. Eh bien, peut-être vraiment c'est votre futur. Alors le diable, j'adore parce que ça me montre la tentation que vous pouvez avoir, c'est la carte de passion, de relations sexuelles, peut-être que ça sera quelque chose d'important pour vous, vous pouvez peut-être réaliser plein de fantasmes dans le futur, mais c'est aussi la carte d'attachement, et bien peut-être vraiment dans votre vie amoureuse, il y a déjà bien quelqu'un à qui, donc avec qui vous sentez cet attachement, où les personnes vont apparaître, nous avons vu dès le départ, il y a plein de cartes de feu, la passion, et vraiment, et peut-être ça va exploser dans votre vie, vos sensations, dans le futur.
futur, eh bien, je veux voir quel sera le résultat. Et alors, l'impératrice, vous avez cet accent sur une femme qui est très féminine, élégante. Dernièrement, je vois tout le temps dans les tirages cette personnalité. Donc voilà, vous savez, c'est quelqu'un qui aime se montrer comme femme. Pour elle, c'est très important. Et montrer aussi son caractère fort, qu'elle peut prendre des décisions. Donc voilà. Mais vous savez, en général aussi, il peut avoir toujours charisme, charme, quelque chose unique dans son caractère. Donc voilà. Et vous savez, c'est la femme qui a un statut. Eh bien, peut-être c'est un indice pour vous que dans votre relation amoureuse, donc votre avis change. Et peut-être il y aura des grands engagements qui vous attendent. Eh bien, alors monsieur, vous allez vous montrer mais quelqu'un romantique. Alors je vois que donc il y aura les sentiments d'amour que vous allez sentir par rapport à cette femme. Donc voilà. Peut-être vous allez parler de vos sentiments, les déclarations d'amour, vous serez romantique. Donc voilà, ça va prendre au dessus dans votre vie. Préparez-vous. Et plein de rêves, fantasmes par rapport au futur tout de suite. Donc je pense que vraiment, c'est votre personnalité. Vous allez rêver beaucoup. Je pense que cette femme, elle va vous impressionner. Donc préparez-vous à cela. Et bien, et alors vous savez, il aura aussi un petit peu maîtrise de la situation quand vous allez peaufiner certaines choses, vous allez vous connaître, vos caractères, vraiment que vous allez peut-être avoir cette base. Et donc voilà, c'est un petit peu perfectionnement aussi que vous pouvez faire par rapport à votre vie amoureuse, peaufiner quelque chose, donc voir vos projets dans le futur. Donc voilà, et bien, il y a la carte de l'amour, mais bien sûr, les rencontres amoureuses. Donc voilà, que vous pouvez, amélioration de votre relation, sentiments se renforcent. Donc voilà, et toujours un accent sur deux personnes. Donc préparez-vous à cela, et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Alors, j'ai un accent ici, peut-être une certaine attente, donc c'est possible que vous pouvez avoir dans votre vie, mais vous devez un petit peu planifier votre futur. S'il y a des événements qui ne dépendent pas de vous, voilà, pour éventuellement avancer dans le futur, vous devez tout analyser, peut-être trouver d'autres solutions, contourner le problème, voilà, peut-être même trouver d'autres choses que vous voulez réaliser, mais ça va dépendre de vous, monsieur, parce que je vois que vous allez vous montrer quelqu'un intelligent, donc peut-être vous allez faire en même temps votre stratégie par rapport au futur. Donc voilà, j'ai envie de voir encore quelques cartes. Qu'est-ce qui vous attend dans le futur? Et un nouveau départ, encore la carte de la passion. Et vraiment, c'est très intéressant parce que peut-être il y aura de nouveau la passion et vous allez commencer vraiment donc un nouveau départ dans votre relation. Et il y aura peut-être des changements. Voilà, mais c'est vraiment, c'est vous, c'est vient de vous, de vos deux personnalités. Et voilà, et regardez, j'adore parce que vous voyez, j'ai un petit peu la carte de la passion et en même temps des sentiments. Vous savez, c'est en même temps comme deux as, deux nouveaux départs que vous avez dans le futur. Et d'un côté, ça vous donne plein de sensations, mais c'est basé aussi sur les sentiments. L'amour, ça va vous donner le bonheur en même temps. Vous prenez le risque pour changer votre vie et ça vous apporte des bons sentiments. Et vous savez, cette carte, ça me montre vraiment l'euphorie que vous avez. Donc attention, parce que cette femme que vous avez dans votre vie ou la future rencontre que vous allez faire, ça va vous donner ce sentiment d'euphorie, la passion en même temps. Donc voilà, vous prenez le risque de changer votre avis, mais je pense que c'est cette femme qui va vous inspirer. Donc énormément, préparez-vous à cela. Eh bien, je vous souhaite la réussite dans votre vie. Prenez le risque pour changer votre vie. Bonheur, amour, et bien sûr, le destin vous appartient.